Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans D'ailleurs Expedition. Un petit jeu, un petit inspiré de Lovecraft, tout simplement. Donc c'est un puzzle game, vous allez voir, sauce Lovecraft, un peu horreur, tout simplement. Un jeu développé par Monkey with Jobs et c'est édité bien entendu par eux-mêmes, mais c'est leur seul jeu, tout simplement, qu'ils ont créé. Donc, on va voir, on y va, c'est parti, j'espère que la manette va fonctionner. C'est notre démo, bien entendu. Enfin, c'est la démo, pas notre démo. Donc on va voir un peu quelle en est l'histoire. Ok. Donc on est en Antarctique. Ah oui, le jeu est en haut. Alors est-ce que la manette va fonctionner ou est-ce qu'il faut que je joue au clavier? Ah! Pas trop, ça a marché la manette. En tout cas, la quelqu'un en pixel art, je l'avais pas vu. Hein. Alors ça, son charme pour les vieux joueurs, mais. Mon Dieu, hey, réglez pas votre écran. On est sur un truc à l'ancienne, genre il y a. On est sur un Tomb Raider, voire même avant. Voire même Minecraft, mais, pour les plus récents. En vrai, je sais pas du tout ce qui va se passer. Hein. Mon Dieu, ça pique les yeux. Aïe aïe aïe. Ok, donc on peut courir d'un côté. Waouh, allez, franchement. Waouh, aïe aïe aïe. January 4th, 1931. W. Dyer. My name is William Dyer, and I'm a professor of geology at the Miskatonic University, Massachusetts. Our mission in the Antarctic is to conduct several geological surveys and, soil properties permitting, archaeological digs on parts of the continent that haven't been explored by previous expeditions. After several grueling weeks at sea aboard the Arkham, we have finally reached our destination. Following the unloading of the expedition's cargo, the ship is to make the return trip to bring further supplies. Aside from the usual reports on our surveys, I will keep a diary and instruct several key members of the team to do the same. Antarctica is, for all intents and purposes, a new scientific frontier, and I want to preserve even the minutest of details for posterity in case our expedition fails under unforeseen circumstances. January the 10th, 1931. W. Dyer. We erected a rudimentary shack for the team with the supplies we brought. It should prove a better shelter than the number of tents we had to spend the last 6 nights in if we intend to stay for as long as we have planned, which is several weeks. The Arkham is scheduled to return in 14 days with supplies. January the 12th, 1931. W. Dyer. While we studied what lies within the cave, Mr. Gedney was able to erect the drilling apparatus and promptly excavated several fossils, mostly things like seaweeds and trilobites.
These discoveries align with the strata they were found in, but they are, of course, exciting nonetheless. What is remarkable, though, is an enormous fossil that Mr. Gedney was able to unearth. It seems to be the imprint of a gigantic, hitherto unknown species of five-sided starfish. Super, donc il y a des cadavres. Oh, une pioche! Ou pas? Non, même pas. Bon bah. Putain, ça pique. Donc, j'ai forcément oublié quelque chose, hein, je pense. Ouais, donc c'est vrai, donc. De qui? Ok. Par contre, on peut faire un effort sur les textures quand même. Hein. Sans mentir. Là, je suis en 2K exprès. La torche, on y voit comme à travers une pelle, s'il vous plaît, quoi. Ne réglez pas votre téléviseur, hein. Si vous voyez rien, c'est le codage du jeu. Hein. Il y a une boîte là. January the 11th, 1931, W. Dyer. After successfully establishing a base camp and setting up a basic hut, my research assistant Danforth and I have set out to inspect this conspicuous cave entrance, then marched on. What we found inside must be seen to be believed. A construct of some kind, then an entrance leading further into the darkness, all built in stone. It must have been built by an ancient people thousands of years ago. I have yet to find an answer to the question of how they possibly could have arrived, let alone how they sustained themselves in Antarctica. How were humans of yore able to stay alive in such a hostile environment? Not to mention to erect such an imposing structure. January the 13th, 1931. W. Dyer. Ouais, bon, on va pas tout lire parce que demain il y a encore. Pas que j'ai pas envie. Par contre, j'en ai marre de jouer avec la lampe torche, ça me saoule. Allez, vas-y, mets le truc au max. Ouais, super.
Bon, en vrai, je sais pas trop ce que je fous avec ma truc, hein. On va dire les termes de minutes. Je me bats avec ma chaise. Ne réglez pas votre téléviseur, la lumière est totalement la même que ce que c'est dans le jeu. C'est-à-dire que si vous ne voyez rien, bah moi non plus. Donc moi j'ai craqué, j'ai mis l'humidité au max. Ah merde! Ouais, t'as perdu les... Attends, il y a de l'eau qui tombe. Ok, il y a du texte à lire aussi, mais on s'en fout. Super, on va avancer à tâtons, ça va être magnifique. It's fake. Waouh, du premier coup. Ouais, bah écoutez, en vrai, si le jeu il est vendu à 10 balles, en vrai, pas, il est encore 10 balles, je suis peut-être un peu généreux. Un peu moins de 10 balles serait top. Donc, ouais, à voir. Voilà, vraiment toute petite démo, voilà, pas grand chose à dire dessus. Voilà, si vous avez envie de l'acheter. Bah quand il sortira, hein, pour l'instant c'est pas encore écrit quand est-ce qu'il va arriver. Donc voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. La page Steam est plutôt vide parce que justement il faut pas trop en montrer pour pas trop spoil un peu l'histoire. Voilà. À voir. Pas la meilleure démo que j'ai testé en tout cas. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Akapanda, vous pouvez me retrouver sur Twitter et sur Discord bien entendu, le lien est sous la description de la vidéo. Et nous on se dit rendez-vous très vite pour un prochain numéro. En attendant, amusez-vous et à la prochaine, ciao.